L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Fondée en 2003, son entreprise fait partie des leaders européens dans la commercialisation et la distribution de produits mythylicoles. Basé à Cancale, le groupe rassemble 90 producteurs partenaires et 150 collaborateurs de différents métiers de la mer pour un chiffre d'affaires de près de 60 millions d'euros. Christophe Le Bihan, directeur général associé de Mythylimer, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Christophe Le Bihan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Christophe, jeune adolescent, vous avez été témoin direct, je dirais, à côté de votre père à l'époque, de la crise que la filière de la pêche a connue au début des années 90. Est-ce que ce sont ces événements marquants qui vous ont décidé à vous engager dans ce secteur d'activité ? Oui, clairement, en 1992, la crise de la pêche a été vécue durement pour la Bretagne, mais aussi au niveau familial. On a été touché très directement par cette crise-là. Vous aviez 14 ans. Hein. Oui, j'avais 14 ans. Je deviens, je pense, adulte un peu plus vite. À partir de là, je sais ce que je veux faire. Je m'engage. Et puis surtout, j'ai toujours eu en réflexion le pourquoi de cette crise. Et voilà, mon engagement a été sans faille depuis que j'ai 14 ans. Et aujourd'hui, Mythylimer est le reflet de cet engagement parce qu'aujourd'hui, j'ai un engagement très fort sur la répartition de la valeur ajoutée. On va revenir évidemment sur ces convictions qui vous animent et que vous portez justement depuis cette adolescence. Qu'est-ce que vous a dit d'ailleurs votre père quand vous lui a dit que vous alliez vous engager? Qu'est-ce qu'il vous a donné comme conseil, comme premier conseil peut-être? D'y aller déjà? Il vous a encouragé ou au contraire? Alors il m'a encouragé, il m'a testé, clairement. Il ne m'a pas fait de cadeau non plus. Et puis il m'a surtout dit tu vas apprendre à compter avant de prendre le métier, parce que le métier finalement tu le connais depuis tout petit. Et donc voilà, ça a été un mix entre exigence et bienveillance finalement. Ça veut dire une formation, très concrètement, en comptabilité, avant de vous approcher de la mer ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait des études de compta. Et puis après, j'ai fait le NCPM à Lorient. Et là, cette école n'existe plus, mais c'était une école qui a formé pas mal de dirigeants au niveau des produits de la mer. Ouais. Alors, Christophe Le Bihan, à 26 ans, il y a cette rencontre avec la famille Beaulieu qui va changer votre vie, ou en tout cas votre vie d'entrepreneur. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une rencontre décisive pour vous ? Oui, l'histoire est assez magique. Charles m'a recruté. Je voulais pas venir. Il a insisté. Et comme vous avez dit non deux fois. Hein, oui, j'ai dit non deux fois. Alors comme il est déterminé. Mais comme il est très très fort et très persuasif, et quand il voulait quelque chose, il savait l'obtenir. Et puis voilà, on a vécu une histoire fantastique pendant 20 ans de développement, parce qu'on est parti de rien. L'entreprise n'existait pas. Et aujourd'hui, ouais, c'est une réelle fierté d'avoir rencontré Charles et aujourd'hui de continuer l'aventure avec ses enfants. On a voilà, un esprit de famille et de cohésion qui est vraiment très agréable à vivre. Qu'est-ce qu'il a perçu d'ailleurs chez vous ? Pourquoi est-ce qu'il est venu vous chercher, vous, particulièrement ? Je ne sais pas. Il a perçu l'envie, je pense, en moi. C'était assez dingue de laisser les rênes à un jeune de 26 ans. D'ailleurs, la chance qu'il m'a donnée, j'essaye de répercuter ça aujourd'hui dans l'entreprise. Mais l'alchimie s'est faite tout de suite entre lui et moi. D'abord, c'est une grande histoire d'amitié. Rencontre d'hommes, hein, avant d'entrepreneur. Voilà. Et il a ressenti que je pouvais le faire. Mmh. Et puis moi, c'était le bon moment pour moi aussi. Donc voilà. On va revenir ensemble sur l'histoire justement de cette filière de la pêche qui accusait, selon vous, un certain retard, et notamment au regard de celle de l'agroalimentaire. Est-ce que ce retard-là, et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit très concrètement, a été rattrapé selon vous ? Est-ce que c'est une filière qui est structurée aujourd'hui et apaisée peut-être ? Non. Le retard, il est dû au fait que
On dit souvent que la pêche est une entreprise de chasse, c'est-à-dire que quand vous partez en mer, vous ne savez pas ce que vous allez ramener. Donc c'est plus difficile que le monde agricole ou de l'élevage. Mais par contre, on a un besoin de structure. On a un besoin de structure entre la filière amont et puis l'aval. Aujourd'hui, très peu de marques cohabitent au niveau des produits de la mer et c'est une des ambitions du groupe. De pouvoir mettre en avant les différents métiers de transformation et puis aujourd'hui rattraper notre retard. Alors, on a du retard, mais ce n'est pas une faute en soi. Par contre, on peut s'appuyer sur ce qui a été très bien fait dans les autres filières. Ce qui a été moins bien fait aussi, il faut évidemment l'éviter. Mais aujourd'hui, c'est le combat du quotidien de Mithilimer, de justement rentrer dans cet univers agroalimentaire. Et vous défendez d'ailleurs à titre personnel, justement, et ça fait partie de vos engagements, le maintien d'une valeur ajoutée partagée entre les différents acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Moi, je défends avant tout l'économie de filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'un côté l'éleveur, le pêcheur, de l'autre le transformateur et au milieu des entreprises de transformation intermédiaire comme le maraillage. Aujourd'hui, si on ne fonctionne pas en filière, c'est pas possible. Pourquoi ? Il faut répartir la valeur ajoutée là où le besoin se fait sentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les élevages, on doit mieux payer l'éleveur pour qu'il puisse investir, pour qu'il puisse vivre dignement et pour qu'il puisse finalement transmettre au bout d'un moment son entreprise pour que ça continue et que ça perdure. Je pense qu'il faut le faire. Et aussi garantir aux premières entreprises de transformation, comme le maraillage, des marges suffisamment solides pour pouvoir aussi investir et continuer dans le temps. Mais est-ce que tous les acteurs aujourd'hui, et notamment les grands donneurs d'ordre, et notamment la distribution, ont suffisamment conscience que si un des acteurs de cette filière n'est plus en capacité d'investir, donc n'a effectivement pas les moyens de le faire, c'est toute la chaîne qui va s'effondrer? Non, je pense qu'il y a un déni de ce côté-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Bretagne perd un certain nombre d'agriculteurs, un certain nombre d'éleveurs. Il y a un plan de casse qui est prévu pour la pêche. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors qu'on a tout pour réussir. On a une industrie agroalimentaire de très grande qualité. On a des éleveurs qui se mettent à la page et qui investissent en permanence. Je pense qu'il faudrait un consensus, évidemment, entre l'État, la grande distribution et tout le monde pour se dire on pérennise les choses. Et puis finalement, qu'est-ce que sera notre filière dans 50 ans? Est-ce que la crise justement énergétique que nous connaissons est aussi une forme de menace ou une tentation du repli des acteurs de la filière et peut justement, encore une fois, fragiliser ce secteur d'activité? En fait, la menace, elle est quotidienne, elle est partout et elle est différente. C'est-à-dire qu'on a connu le Covid. Aujourd'hui, c'est une crise énergétique. En fait, la solution, c'est dans la capacité à nous adapter. Et aujourd'hui, la résilience de l'agroalimentaire en Bretagne et du secteur de la pêche en général est plutôt très fort. Donc, il faut continuer et surfer là-dessus et se dire qu'il y aura d'autres crises, mais qu'on est aussi prêt à les affronter. Bon, et la résilience, évidemment, des Bretons et de ce secteur d'activité, on peut le connaître et l'estimer. Vous assumez, justement, chez Mithilimer et personnellement, ces engagements-là et cette forme de, peut-être, d'engagement politique avec un P majuscule que vous portez au quotidien? Oui, je pense qu'on a... Alors, politique, c'est un mot que j'aime pas trop, mais un engagement de tous les instants, oui. Pourquoi? Parce que chez nous, le vivre ensemble, il est plus important que tout. Voilà, aujourd'hui, c'est au cœur de l'ADN de Mithilimer. C'était aussi une des préoccupations principales de Charles. Donc, on est vraiment là-dedans. Aujourd'hui, on assume avoir une masse salariale qui est peut-être plus importante qu'elle devrait l'être. On assume de bien payer les producteurs et on assume aussi certains investissements qui sont vraiment structurels pour Mithilimer évidemment, mais aussi pour la filière. Alors en 2013, ça c'est intéressant parce que ça fait partie d'un investissement important. Mmh. Vous faites le choix de racheter la Cancalaise qui bénéficie d'une vraie image de marque sur le territoire. C'était quoi? L'idée, c'était d'avoir une ancienne qui soit visible, lisible par le plus grand nombre, de commercialiser Mithilimer? Oui, on prend...
En 2012, on prend réellement un grand virage avec Charles. En 2012, on se retrouve leader sur notre secteur. Mais aussi, on se dit qu'on est relativement fragile pour plusieurs raisons. On est monoproduit sur la moule et monoclient sur la grande distribution. Donc, besoin de se diversifier. Besoin de se diversifier et besoin aussi d'être perceptible par le grand public, donc d'où la recherche de marques et aussi de produits associés ayant exactement le même ADN qualité que ce qu'on avait dans le groupe. Alors, parmi vos autres engagements, justement, ce qu'on évoque sur la partie, on va dire, sociétale, en 2012, c'est le projet Carbone. Vous intégrez un groupe, d'ailleurs, de chercheurs de l'INRA, qui a une vraie démarche, je dirais, scientifique, qui appuie ces engagements. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement? Et où est-ce qu'on en est 10 ans après? Bah oui, alors Carbone naît réellement en 2012. En 2012, on accueille des chercheurs de l'INRA. Et on découvre que le bilan carbone de la moule est négatif. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, dès ce moment-là, on a une énorme responsabilité entre les mains. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et en 2012, on n'avait pas non plus cette pression climatique qui était aussi forte et prégnante. Et à partir de ce moment-là, on se dit, vu que le bilan carbone est négatif, il faut qu'on trouve une solution pour ne pas dégrader ce bilan carbone. Donc on imagine évidemment le plan carbone et puis surtout on travaille sur 3 axes majeurs qui vont nous permettre d'améliorer encore ce bilan carbone. Et notamment le transport qui joue évidemment un rôle, et puis le plastique, les emballages, etc. Sur lesquels vous travaillez. Est-ce que ces engagements d'ailleurs facilitent le recrutement chez vous? On sait que les jeunes générations, celles et ceux qui vous rejoignent, sont sensibles évidemment à ces engagements-là. Une des plus grandes fiertés qu'on a chez Mitilimer avec Charles et la famille Beaulieu, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe à notre image. C'est-à-dire on a une équipe qui est engagée, bienveillante et surtout résolument moderne. Donc, on a intégré beaucoup de jeunes diplômés, master, doctorants même dans l'équipe, mais aussi des jeunes qui veulent s'engager. Donc on a un mix entre ceux qui ont commencé l'aventure il y a 20 ans maintenant, dont je fais partie, et puis des jeunes qui nous rejoignent et qui ont un plaisir immense à intégrer le groupe. Donc oui, c'est plus facile quand on a des convictions, quand on a un plan sur plusieurs années de recruter des jeunes talents. Oui. Merci beaucoup, Christophe Lebihan, d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de Mitilimer. Merci. Merci à vous. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.